Le tournoi féminin est un événement incontournable de la vie de l'Île-de-France chaque saison. Il est effectué régulièrement au club La Bicêtre parce que ça correspond bien à la politique féminine du club, l'image de la ville, et nos habitudes sont tout à fait confortables ici. Donc c'est un moment incontournable de la saison francilienne. C'est surtout, il y a des débutantes. L'avantage de ce tournoi-là, c'est que ça va des débutantes aux filles qui sont en centre d'entraînement. Donc il y a une diversification qui est assez intéressante. Et ça fait voir justement à celles qui découvrent cette compétition, voir un peu ce qu'il leur reste à faire en termes de niveau de jeu. Le principe, c'est de sortir de poule et ensuite d'arriver la première de tout à bout. Pour l'instant, c'est la première de poule. Après, je pense que je les ai contre les deuxièmes. Le premier, c'était pas trop fin, mais j'ai gagné facilement. Le deuxième, c'était un peu plus dur, mais j'ai pas gagné. Le dernier, ça va, j'ai gagné l'argent. Alors, ça fait 4 ans. Et à Saint-Maur, en fait, la première année, je faisais pas trop compète. La deuxième, j'ai commencé, et puis j'ai commencé à monter. Et quand tu peux, tu viens pousser au milieu ou dans le revers, d'accord ? Et après, c'est toi qui prends l'initiative, ok ? Le service, viens servir un petit peu dans le courant, d'accord ? T'as oublié un petit peu, tu l'as fait au début du set, je crois, mais oublie pas que tu peux le faire aussi à la fin du set, quand tu vois qu'il y a des moments un peu plus serrés, ok ? Mais on prend l'initiative, Alex, hein, d'accord ? Ouais. Et pas toujours dans le coup droit, allez, hein. Il y a différents tableaux par classement. Il y a les réservés aux filles classées 5. Après, il y a 6 à 8, 9 à 10, 10 à 12 et au-dessus, je ne sais pas trop. Donc moi, je suis dans le tableau 10-12. Donc on est 31 filles, donc des poules de 4. 10-12, c'est aux filles qui ont entre 1000 points et 1299 points. Mon objectif est premier, était déjà de passer les poules parce que les années précédentes, je passais pas. Là, vu comment j'ai joué, c'est d'aller le plus loin possible. Aller au quart, après on verra par la suite, c'est que du bonus. Et la volonté politique de développer le tennis de table féminin qui aide à proposer ce tournoi à l'ensemble des joueuses sans contribution. On aperçoit que le nombre de participants diminue chaque année. On doit se poser la question du contact qu'on a avec nos propres licenciés. C'est-à-dire qu'on devrait essayer de les informer directement. Et on est en train de réfléchir à un contact par mail plutôt que par le correspondant du club, qui ne répercute pas toujours à l'affichage de la section et qui mobilise peut-être pas toujours ses troupes. Donc un contact direct serait sûrement plus intéressant pour redonner un petit peu plus de dynamique à ce tournoi.